et le vent hurle de plus en plus, des pluies diluviennes percutent le toit. Nous sommes dans pleine nuit, on ne distingue à travers la fenêtre que l'ombre des arbres qui balancent très fort. Des palmiers ont été coupés en deux. La famille a installé des planches en bois sur les fenêtres pour protéger leur maison. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on sent le cyclone, même physiquement, la pression diminue. Et maintenant, les oreilles sont bouchées, un peu comme si l'on prend l'avion. Nous sommes éclairés grâce à des bougies et des lampes frontales. Il n'y a plus d'électricité, plus d'eau. On écoute la radio, nous sommes dans le salon, dans le noir. Et l'inquiétude grandit d'heure en heure. Merci.